Jules César, un citoyen romain né en 100 avant Jésus-Christ, n'est pas qu'un personnage récurrent des aventures d'Astérix. C'était aussi un redoutable général qui prit la tête de l'Empire romain en moins 49. Mais saviez-vous que Jules César ne fut jamais empereur? La confusion vient de son titre d'imperator, qui signifiait dictateur. Ok, ce n'est pas le plus étonnant. En 75 avant Jésus-Christ, alors qu'il revient d'Asie via la mer Égée, Jules est enlevé par des pirates. Ces derniers réclament une rançon de 20 talents d'or pour sa libération, ce à quoi Jules répond qu'il vaut bien plus que ça. C'est un VIP, les gars. César augmente donc lui-même le montant de sa rançon, rançon qui sera d'ailleurs versée aux pirates, et en quittant ces derniers, il leur promet qu'il les fera tous exécuter. Et il tient sa parole. Quelques semaines plus tard, tous les hommes ayant participé à son enlèvement sont capturés et crucifiés. Jules César, fallait pas l'énerver.